8h40, la revue de presse avec Adeline François dans la presse ce matin. Cailloux dans la chaussure. Emmanuel Macron avait pensé à tout en planifiant la recomposition politique autour d'un centre social libéral. À tout. Ou presque. Car depuis toujours, comme le rappelle ce matin le journal L'Opinion, les députés français, quand ils pénètrent dans l'hémicycle, dans l'Assemblée nationale, ils entrent par la gauche s'ils sont de gauche, ils entrent par la droite s'ils sont de droite. Rien dans le règlement de l'Assemblée nationale n'interdit à un élu de gauche d'entrer par la droite et vice-versa, mais ce clivage est un usage fortement ancré dans les mœurs du Parlement où tout est codifié. On connaît des députés qui en 20 ans n'ont jamais emprunté l'entrée opposée. Alors par où Entreront les députés de la République en marche. Certains macronistes se sont déjà posé la question et le débat n'est toujours pas tranché. Entrer par la droite ou par la gauche? À moins qu'il y ait une solution alternative, il existe au fond et au centre de l'hémicycle une petite porte fondue dans le velours rouge du Palais Bourbon qui permet de s'éclipser discrètement ou Pourquoi pas à l'avenir de faire une entrée théâtrale Cela dit, il y a un problème beaucoup plus grave ce matin pour Emmanuel Macron. Oui, parce que pendant que certains se demandent comment ils vont entrer, d'autres sont invités plutôt à sortir. Richard Ferrand, qui a reçu le soutien hier soir du Premier ministre à la télévision, fait la une de la plupart de vos quotidiens après les nouvelles révélations du Monde hier après-midi. Enquête sur un mélange des genres, titrait le journal. Faites ce que je dis, pas ce que je fais pour Libération ce matin, qui qualifie le ministre de cailloux dans les chaussures de Macron. L'encombrant, M. Ferrand, pour le Paris. Aujourd'hui en France, le poison du soupçon titre La Nouvelle République. Ferrand sans faire pour le canard enchaîné qui publie le compromis de vente de l'immeuble acheté par son ancienne compagne, vente à laquelle Richard Ferrand avait assuré n'être en rien mêlé, sauf que son nom apparaît très clairement en tant que futur acquéreur sur le document publié par le journal satirique qui parle d'un compromis compromettant. Ce ministre en mode arroseur arrosé est un os à ronger tellement appétissant, ironise Florence Chedotal. Dans la montagne. Sur la belle photo livrée par l'Élysée, il y a désormais une tâche, constate Cécile Cornudet dans les échos. L'histoire de ces dernières années, ajoute-t-elle, est pleine de tâches restées petites. Elle est pleine aussi de tâches qui paraissaient insignifiantes avant de gripper une machine électorale. Ou Alors attention, boule puante, écrit Jean-Michel Servant dans le Midi Libre, sortez les pinces à linge, cette campagne va être aussi nauséabonde que celle de la présidentielle. Éclaboussure ou tâche, le nouveau président de la République aura-t-il la main qui tremble se demande également Mathieu Croissando sur l'obs.fr pour qui. Richard Ferrand, comme François Fillon avant lui dans un autre registre, symbolise tout ce que les Français ne peuvent plus voir en peinture chez leurs représentants. Dans la presse aussi ce matin, deux témoignages très forts. Adam. Oui, il y a d'abord celui de ce photojournaliste irakien qui fait la couverture de Télérama cette semaine. Il s'appelle Ali Arkadi. Il a passé des semaines auprès de soldats irakiens engagés dans la lutte contre Daesh à Mossoul. Il s'est rapproché d'eux, il est même devenu leur confident, au point d'assister à leurs exactions au point même de devoir y participer pour échapper à son tour à la torture. Il a confié ses photos au magazine cette semaine. Au départ, dit-il, je n'ai pas compris ce que j'allais voir, et si j'avais su, je n'y serais pas allé. Je rêve souvent de n'avoir jamais fait ce reportage, mais une fois sur place, je n'avais pas d'autre choix que de faire mon métier pour témoigner. Lui aussi a voulu témoigner, Jean Reynaud fait la une de l'Express cette semaine « Moi diabétique et alors ?» L'acteur parle pour la première fois du diabète de type 2 qu'on lui a diagnostiqué il y a maintenant 17 ans Il raconte le choc psychologique de l'annonce d'abord « On croit passer au travers en se disant les gens meurent, mais pas moi, c'est la nature humaine » dit Jean Reynaud Il parle de sa vie sous insuline les dîners sans féculents, sans sucre Lui, l'amateur de pasta Il veut surtout inciter les gens à consulter car 700 000 personnes sont porteuses de la maladie en France et ignore. Faites-vous dépister dit Jean Reynaud dans l'Express cette semaine. Dans la presse enfin ce matin, les cailloux de la ville dans les chaussures de la campagne. Mais oui parce que ça c'est la une de Ouest France et c'est aussi dans la Croix la ville dévore toujours plus la terre. La France est en pleine artificialisation. La ferme France perd 50 à 60 000 hectares, soit l'équivalent d'un département tous les 5 ans. Et quand un champ disparaît, bah c'est pour laisser place à l'extension des villes, à de beaux centres commerciaux, à de grosses infrastructures. Dans le même temps, les terres agricoles qui restent font l'objet de spéculations de la part d'investisseurs qui n'ont aucun lien avec le monde paysan, mais qui cherchent du rendement en prenant des parts de sociétés agricoles. Il faudrait en fait, dit un spécialiste dans la Croix, une grande loi foncière sur la transparence des transactions. Cette transparence-là aussi, on en a besoin au risque de ne plus pouvoir voir nos campagnes en peinture et peut-être aussi d'oublier un jour leur odeur. D'ailleurs, notez que le Figaroscope pose une question existentielle ce matin. Paris a-t-il une odeur Eh bien oui, clame Nicolas Destiendorf, qui affirme même que Paris sent enfin la rose. Pour qui c'est vraiment les gaietés, la capitale retrouve ça et là les parfums de sa réalité première, la forêt. Odeur de mousse et d'écorce après la pluie quand vous longez un jardin public le matin, comme des soupirs de sous-bois. Odeur des fleurs dans les impasses de l'Est parisien qui regorge de lilas, de glycines et de chèvrefeuille. Venez Yves, on va se promener. Ça nous changera de l'odeur de soufre des boules puantes du moment. Avec <laughs> grand bonheur, c'était la revue de presse d'Adeline François.